Voici un glitch qui va vous permettre d'avoir de l'argent en illimité sur Palworld. Pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin d'un contrebandier, donc ce sont des marchands de pales. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Quand vous êtes près d'un contrebandier, vous allez devoir indiquer à vos pales d'être agressif. Donc pour ce faire, moi j'appuie sur R3 et je sélectionne la directive « Attaquer librement ». À ce moment-là, pour être sûr que le pal attaque, vous allez près du contrebandier, vous lui mettez un coup de pioche et vous cliquez sur la touche « Interaction » pour pouvoir lui parler. Et vous allez directement dans la section « Acheter un pal ». Si vous avez fait ça correctement, votre pal va l'attaquer pendant que vous êtes dans le menu « Acheter ». À ce moment-là, le contrebandier va être inactif et votre pal va pouvoir le tuer facilement. Dès que le contrebandier sera mort, là vous allez obtenir de l'argent. Alors il faut savoir que plus vous allez le faire, plus vous allez gagner de grosses sommes d'argent. Maintenant, si vous voulez le faire en illimité, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de quitter le jeu et puis de relancer la partie. À ce moment-là, vous verrez que le contrebandier va réapparaître. Donc vous aurez juste à répéter les étapes, qui est de rendre agressif vos pales, ensuite de mettre un coup de pioche au contrebandier si maintenant votre pal ne l'attaque pas automatiquement, et aller directement parler au contrebandier pour aller dans la section acheter. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que votre pal le finisse. La deuxième solution, c'est de prendre un pal de type vol et vous allez retourner au point de téléportation le plus proche. Quand vous y êtes, vous faites demi-tour et vous retournez près du contrebandier. Là, vous allez voir que le contrebandier va réapparaître encore une fois. Donc vous n'aurez plus qu'à répéter le glitch pour le tuer en illimité et avoir de l'argent en illimité.